Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver et je suis avec mes élèves d'ici peu. Bon, aujourd'hui, nous avons deux invités. Il y en a un, c'est un partenaire de route, un partenaire de la ride. Oui. Moi, personnellement, j'ai pas le permis, donc j'ai passé vraiment la majeure partie de ma vie dans des RER et des métros. Le copilote. Sauf avec ce type-là, qui m'a mis dans des voitures. Bon, côté passager, parce que voilà, si tu me donnes le volant, un accident obligatoire. Mais bon, heureusement, il y avait des bons conducteurs. Exactement. Ce mec-là, c'est un mec qui ride. Et quand tu dis que tu rides, ça veut dire qu'il y a de la musique. Tu peux pas être dans la voiture et avancer comme ça, il n'y a pas de musique. Ça, c'est pas bien. On n'est pas d'accord avec ça. Donc, tu rides en musique. Et la musique qu'il faut, c'est la musique qui donne envie de rider. Et ce mec la produit, la rappe, la chante, l'autofinance, s'autofinance des concerts. Il fait tout ce qu'il est possible de faire en termes d'indépendance. Et c'est vrai que quand on parle de rap français et d'indépendance, on pense pas directement à lui. Mais il aurait tellement de choses à expliquer aux autres. Parce que je ne sais plus combien de projets il a fait en tout, mais il va nous le dire. C'est incroyable. C'est incroyable. Je parle de monsieur ALPHA, s'il vous plaît. Merci. Driver, comment vas-tu? Quelle introduction. Enfin, t'es à la hauteur. Alors, ça va? Bah écoute, ça va, nickel, hein, cool. Booba, tranquille. Combien de projets t'as fait en tout? Alors, en solo, album solo, je dois être à 13-14. Sur de la plage, en tout, je dois être à 35, un truc comme ça, je pense. Voilà. Parle de 35 projets. Parce qu'il y a des albums de groupe, il y a des compilations, il y a des albums en commun. Les albums qu'on a fait ensemble, l'album avec A2H, l'album avec Dogmaster, l'album avec Jill Tismet, TSN. Et puis après, les albums de groupe, toutes les compilations West Rider. Plus, et après aussi, le beatmaking. Ouais. Pour tu places ta place. Yes. Chez les autres. Il n'est pas venu tout seul, il est venu avec un musicien. Parce que souvent, quand on parle de rap, il y a des gens qui n'aiment pas le rap. Ils disent, c'est pas de la musique. Si, c'est de la musique. Il y a une rythmique qu'on appelle une batterie. Il y a un instrument qui s'appelle la batterie. Il y a de la basse. Un instrument qui s'appelle la basse. Il y a parfois de la guitare. Il y a un instrument qui s'appelle la guitare. Il y a le clavier. Eh bien, lui, c'est un clavier. Aïe. Et il rigole pas avec le clavier. Il te raconte une histoire. C'est-à-dire que quand il met ses doigts sur les touches de son clavier, quand les notes sortent, c'est une histoire qu'il te raconte. Donc, on parle souvent des rappeurs ou des chanteurs parce qu'ils envoient des paroles, mais sachez qu'avec des notes de musique, on peut comprendre la vie. Et il le fait. Et cet homme s'appelle Montfort, il est avec nous aujourd'hui. Ouais. Driver, là. Quelle intro. Driver, il nous fait des intros, tu peux d'aide après. Tu m'as béni aujourd'hui. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Ça merci va. De me recevoir, les gars. Super, on est content de te recevoir. C'est dimanche, merci, prêtre. Et donc, GG m'appelle comme ça maintenant. Il m'appelle le pasteur Driver. Pasteur Driver. T'as changé pasteur. De plus, c'est le pasteur. Ouais, pasteur. Mais bon, tu es là parce que tu travailles aussi avec ALPHA. Tu peux nous dire un peu quelle est votre relation, j'ai ouais. envie de dire. L'histoire, pour synthétiser, en fait, moi, j'ai toujours. Entre guillemets, dans mon adolescence, écouter un peu la musique du A avec mes collègues, voilà, entre poteaux. Et dès qu'il a dit collègue, on sait qu'il est de province. C'est vrai. Il faut préciser que je suis né et grandi non pas à Long Beach, non pas à Compton, mais en Normandie. C'est la moitié décalage. Où ça, en Normandie? Je suis né à Montivilliers et j'ai grandi à Notre-Dame-de-Grand-Manchon. Seine-Maritime, entre Rouen et Le Havre. 76 ouais, voilà, de fou. Grand manchot. Mais attends, mais il y a des gens qui ont vécu en Provence ici, mais qu'est-ce que vous croyez, hein? Voyage. On a baroudé un peu en France. Tu n'as pas joui de l'avantage de la carte 12-25. Donc dis-le tout. En fait, j'ai fait une école de jazz qui s'appelle Centre de musique Didier Lecoultre. C'est là où j'ai vraiment finalisé mes études musicales. Et j'habitais pendant un moment vraiment juste à côté de Joinville-le-Pont à Villejuif. Et je me suis toujours dit, faut que je passe voir le studio de la plage, faut que je tape à la porte, tu vois.
en mode improviste. Je l'ai jamais fait. Mm-hmm. Et un jour, je lui envoie un message sur Instagram. Je dis, ouais, voilà, je m'appelle Alex, machin, je fais du jazz, j'ai produit quelques trucs. Et tout. Est-ce qu'on peut se rencontrer ou quelque mm-hmm. chose, tu vois. Et il m'a dit, bah, vas-y, si tu veux, je viens chez toi à Saint-Denis, on écoute de la zik, on discute et puis on voit comment ça se passe. Tu vois. Okay. Et je crois le lendemain ou le surlendemain, tu me dis si je me trompe et t'avais réfléchi à un truc. Je pense que tu avais déjà la petite graine dans ta tête. Et il m'a dit, bah, écoute, moi, j'ai ce projet-là. Influence jazz, soul, funk, que je pense que tu peux ramener au projet. Et vas-y, viens, on fait le truc en collaboration. Et voilà. Ok, super. Bon, maintenant, on sait. Je dois faire l'appel de mes élèves dissipés. Je commence par M. Barberich. Barberich, comment vas-tu ? Très bien. Toujours ? Oh, on dirait que ça va pas. Il est heureux, il est trop heureux, mon frère. Il n'y a pas de coup de gueule, rien. Non, enfin, des coups de gueule. Ok, ok. Pendant l'émission, pas au début. Non, vraiment des coups de gueule, parce qu'après, les gens... On va pas forcer. Casse la tête. Mécolo, comment vas-tu ? Ça va. Aïcha, comment vas-tu ? Je suis sous haute tension, mais ça va. Du mal à respirer. Ah non, non, là, il y a eu des échanges très vifs. Là, il faut redescendre de 18 à 12, là, tu vois, pour stabiliser. Mais enfin, bref. Tranquille, voilà. Ça va bien. Sinon, ça va, je suis contente. Ok. Penda, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va, tranquille. Super. Tu me donnes chaud avec ta doudoune. Ah bon ? Ouais, j'ai chaud, là, quand pourtant, je te vois. Elle est légère. Hein. Mais elle a un style. Hein. Mm-hmm. C'est bien, mais voilà. Le drip. Il faut souffrir. La note. Bouba, comment vas-tu ? Eh ben, il est heures, Joe, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. Il y a mon petit Denzo qui vient de sortir un clip, La Rue en VO. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Ok. Allez streamer. Mm-hmm. Hein ? C'est noté. On va aller streamer. Voilà, mais voilà. Ça, on l'a déjà streamé en fait. Bon, je pense qu'il est déjà archivé. Très bien, nous allons débattre comme d'habitude et le thème d'aujourd'hui est « Peut-on encore parler de passion dans le rap ?» Qui se lance en premier ? Bon, vu que ça, sinon ça va être un silence gênant, je vais y aller. De toute façon, on sait que c'est toi qui dois lancer le truc. Donc non, même pas, t'as vu, mais bon, t'as vu, il faut bien essuyer les plates, tu vois, sinon ça va être gênant. Je pense que oui, ouais, bien évidemment, parce qu'on vient pas, on n'arrive pas dans le rap sans cette passion. Mais après, ça devient aussi un métier. Et après, il y a des métiers qui sont passionnants. Je pense qu'on peut voir, on peut voir ça comme ça. Mais oui, ouais. Et puis c'est aussi dans une industrie qui est quand même, on en parle assez souvent ici, qui est un business. Dès qu'on parle d'industrie, l'industrie elle s'en fout de notre passion en fait. En vrai de vrai, elle veut te presser, elle veut prendre ce qu'il y a de toi, et après elle te laisse toi et tes desiderata et ton mal-être. Donc voilà, mais en tout cas, oui, forcément, je pense que pour vouloir ça, pour vouloir y accéder, faire de la musique, faire de l'art tout simplement, en fait, ça demande de la passion à la base, aussi du travail, beaucoup de travail, parce que voilà, c'est comme dans le foot, je pense qu'il y a les profils Cristiano et les profils Messi. Je pense qu'on se comprend. Messi, c'est plus, ouais, il avait le talent et tout. Peut-être qu'il bosse un peu moins, mais Cristiano, on sait que c'est un staccanoviste. Genre, il s'arrête jamais, en fait. Et donc, ça aussi, c'est une forme aussi de passion. Mais je pense que oui, dans le rap, on peut encore en parler. Après, ça dépend de qui, ça dépend quand on arrive aussi, parce qu'on peut, finir aussi désabusé. Ça, c'est... Et c'est peut-être quand t'arrives passionné, tu finis désabusé. C'est que, ouais, on a épuisé peut-être tous les espoirs que t'avais, mais en tout cas. Je pense que oui, à partir du moment où on parle d'art, quel que soit l'art, ouais, c'est la passion. Après, s'il y a une industrie derrière, ça devient un métier. Et quand on parle de business, c'est autre chose. Aïcha ? Alors, attendez. Oui, c'est bon. Donc, juste, moi, je pense que la passion, elle anime quasiment toutes les personnes qui sont dans, en tout cas, artistes, tu vois. Après, peut-on encore parler de passion dans le rap ? On pourra toujours parler de passion dans le rap, je pense, de manière générale. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Et on sera tous d'accord pour dire que le capital est là. Et elle parlait de passion et métier. Et en fait, le truc qui se passe, c'est qu'à partir du moment où il y a métier, donc travail, il y a forcément une forme d'exploitation. Et ça, c'est pas que dans la vie, en fait. C'est dans la vie de tous les jours. Tu vas bosser, t'exploiter, mon gars. C'est comme ça. On prend tes ressources et on en fait quelque chose, tu vois. Et on va dire, c'est la mentalité qu'on nous a toujours inculquée dès l'école, en fait. Donc, pour moi,
C'est ça la réalité pour le moment. Ok. Je vais rebondir un peu sur tout ce que vous venez de dire. Il y a plusieurs mots qui sont sortis. Mentalité, travail, passion. Et que tu as dit juste avant, industrie. À partir du moment où il y a grosse industrie, il y a travail. Moi, je pense que tout ce que vous avez dit, il y a beaucoup de vrai. Mais ça dépend surtout de la mentalité dans laquelle tu te trouves vis-à-vis de tout ça. Tu peux aimer faire ton travail, tu peux être passionné et gagner zéro argent. Il y a des extrêmes partout. Mais je pense que la question la plus importante, que ce soit le rap, que ce soit la musique en général ou même humainement, je pense qu'à bout d'un moment, quand tu arrives à faire un certain chemin, il est bien de se rappeler pourquoi tu le fais à la base. Et c'est, ça t'évite justement de tomber dans un extrême ou dans l'autre, tu vois. Donc oui, la passion, elle est toujours là, mais ça dépend de dans quel état d'esprit tu te situes à un instant T, je pense. Alors comme c'est la récré, ouais. Un petit côté scolaire, j'ai fait mes devoirs. Oh, oh le faillot. Bien évidemment. Franchement, on a beau failloter, Driver, il nous donne rien. Bon, alors je suis allé voir la définition de la passion, ouais. Rapidement dans le dico. C'est pas forcément positif. Et non, alors bon, c'est juste pour essayer d'avoir un référent tous. Ouais. État affectif et intellectuel assez puissant pour surpasser la vie mentale. Bon, alors c'est un peu, on va dire, faudrait définir la vie mentale, enfin, ouais. C'est bien compliqué. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que simplement, la passion, on peut l'opposer à la raison. Ouais. Et donc, en fait, effectivement, la passion, elle n'est pas inhérente au rap. Hein. La passion, c'est dans tous les domaines, partout, toutes les générations, toutes les époques. Il y a deux manières d'aborder les choses, pas la vie, mais les choses, les situations, ou de manière raisonnée, ou de manière passionnée. Passionnée, c'est-à-dire inconditionnelle, c'est-à-dire même s'il faut que tu restes jusqu'à 5 heures, tu restes. Et l'autre, la raison te dit, bah non, mais il faut se lever demain parce qu'il faut travailler, il faut aller à l'école, etc. Donc ça, c'est un peu les deux blocs, les deux différences. Après, j'ai envie de dire, la raison... attends, j'ai dit quoi ? La passion, la raison ? La raison, elle serait plutôt motivée par la... Qu'est-ce que j'ai dit ? La passion ? Non, je sais plus où je me perds. On peut couper, là ? Non. non, attends. Bon, bref, peu importe. Je pense que la passion... Qu'est-ce que tu veux dire, toi ? Est-ce que je peux compléter ? Ouais, moi, je pense que la raison, elle est motivée par des choses qui relèvent du domaine physiologique parfois. Donc, avoir de bonnes conditions de vie, pouvoir s'habiller, etc. Et ça, ce sont des choses qui te motivent au quotidien parce qu'il faut le faire au bout d'un moment. Et donc, la raison est souvent animée par ces besoins-là. Et au bout d'un moment, je ne peux pas en vouloir à certaines personnes d'avoir choisi raisonnablement d'aller vers quelque chose de plus intéressant financièrement que d'aller vers quelque chose de plus intéressant passionnément, du coup. Et on peut encore parler de passion, je pense que oui, mais alors après, voilà, tout le monde a son degré différent, je pense. Ouais, pour revenir au rap, puisqu'il y a passion et il y a rap, souvent, enfin, dans la musique, on oppose, en gros, les gens passionnés, c'est un crève-la-dalle, qui est là, qui joue sa guitare dans la rue, et l'autre, c'est celui forcément qui s'est prostitué devant l'industrie, etc., et qui fait n'importe quoi. Mmh. Mais je pense qu'en fait, c'est beaucoup moins manichéen que ça, il y a de tout, il y a des gens aussi qui font beaucoup d'argent, énormément d'argent, et qui sont des passionnés. Ouais. Je pense tout de suite à un mec qui s'appelle André Young, tu vois ce que je veux dire. Et ce mec-là, en fait, à chaque fois qu'il a sorti un disque, il a révolutionné le son, et puis bon, bah, quand tu révolutionnes la musique aux États-Unis, bah, ça a un impact considérable sur le reste du monde. Ouais. Et ce mec-là, il est passionné. On parle beaucoup sur NWA et Ruthless Records de Easy parce que c'est lui qui avait la vision du business, mais Dre, c'est lui qui avait la vision du son. Et le truc, c'est ça aussi, c'est que la passion, et je pense que la passion, elle est motivée par la vision. C'est-à-dire que le gars qui est passionné, il est tout seul dans son coin, il a un truc en tête, il a une idée en tête. Et il n'y a que lui qui voit ce truc-là, il visualise quelque chose. Alors ça va peut-être mettre une semaine ou peut-être mettre 10 ans à être matérialisé, mais en tout cas, lui, il part bille en tête, il sait qu'il a ce truc-là. Mmh. Et Dre, quand il part de Ruthless, il part avec rien du tout, et il sort un disque qui s'appelle The Chronique, et quand le disque sort, j'ai plus les trucs, mais je crois que la moitié des gens ne comprennent pas vraiment ce disque parce qu'il est trop lent. Parce qu'il est complètement différent de ce qui se passait avant. Alors que ce mec-là, à l'époque, c'était déjà un top producteur avec, tu vois.
Et donc du coup, il avait un truc et il a eu cette vision, je pense qu'il a eu cette passion et il a fait la même chose quand il a refait un nouveau son pour Chronique 2001. Mmh. Parce que les gens, quand ils écoutent Chronique 2001, ils disent « Ah, le son West Coast et tout », mais quand mais ça n'a rien de West Coast. Mmh. Ça n'a rien de West Coast, c'est la nouvelle. C'est la nouvelle West Coast. Et c'est un son qu'il était en train de créer depuis déjà des années, ouais. Parce qu'il s'est planté avec The Firm, avec les premiers Aftermath et ouais. Ça. Donc en fait, il a une vision. Il a une vision, il est passionné. Et c'est pour ça que la tendance, elle est plutôt motivée par la raison. C'est-à-dire que le gars qui veut marcher tout de suite, parce qu'il suit la tendance. Ouais. Alors que celui qui a cette passion, sa motivation, c'est plutôt parce qu'il a visualisé quelque chose. Il dit, mais ça, je ne sais pas combien de temps, quand et comment ça peut se faire, mais je sais que ça peut le faire. Ouais. Et donc finalement, l'ennemi de la vision et de la passion, c'est le temps. Ouais. Parce que celui qui est dans la raison, il n'a pas le temps, il faut que ça marche tout de suite. Faut que ça aille vite. C'est très bien résumé. On peut changer de prof. Hein. Ouais. Ah, j'étais un peu long au démarrage. C'est comme le diesel, après quelqu'un, ça roule. Okay. Quelqu'un d'autre? Ouais, moi je vais enchaîner. Mm-hmm. Bah déjà, oui, ça dépend pour qui déjà. Mm. Parce qu'on peut pas forcément, on peut pas du tout mettre tout le monde dans le même sac. Après, moi je me réfère à des interviews ou des témoignages de gens, d'artistes des années 90 qui au début disaient qu'ils ont commencé le rap par passion. Il y en a beaucoup qui disent que bah, nous on a commencé le rap parce qu'on aimait ça et on l'a fait et ça nous a rapporté de l'argent. Donc il y a cette démarche d'abord de passion. Alors que beaucoup aujourd'hui commencent le rap parce qu'ils veulent faire un braquage et parce qu'aujourd'hui c'est une source de revenus. Mmh. C'est un métier. Qui peut aussi être simple parce qu'aujourd'hui, pour être rappeur, on n'a pas besoin de diplôme. Mmh. Parce que si on regarde un peu les profils des rappeurs, sans vouloir faire de généralité, quand on regarde un peu leur parcours, souvent ils vont nous dire « Ouais, moi j'ai arrêté en telle classe, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Et du coup, c'est comme si c'était vraiment la dernière chance, quoi. Donc aujourd'hui, pour moi, en grande majorité, on n'est plus dans la passion comme on pouvait l'entendre il y a quelques années. Alors, quelque part, tu opposes deux époques finalement. Ouais. Alors, moi, je te rejoins sur le fait, moi je fais partie des gens qui disent qu'il y a un âge d'or. Et même pas que dans le rap. Je dis pas parce que je l'ai vécu cet âge d'or parce que c'est le rap. Il y a un âge d'or dans le funk et je l'ai pas vécu. Ça me dérange pas de le dire. Il y a un âge d'or dans le reggae roots, c'est les années 70, ça me dérange pas de le dire. Il y a un âge d'or dans la soul, années 60, que ce soit Sam Cooke, Smokey Robinson, tout ça. Je l'ai pas vécu, ça me dérange pas de le dire. Moi, je pense qu'il y a un âge d'or. Et quand il y a un âge d'or, il y a une spontanéité. Et toutes les premières générations, elles ne savaient pas qu'elles pouvaient faire de l'argent avec ça. Donc, de toute façon, ils étaient forcément dans la passion. De toute façon, c'est comme ça. Et donc, moi, je pense que par rapport aux différences de l'époque, je pense que c'est simplement le fait que c'était une musique émergente. Et que voilà, il y avait plein de gens qui étaient dans la passion parce qu'ils ne pouvaient de toute façon pas être dans autre chose. Ils ne pouvaient pas rêver de non, autre chose. Non. Quelqu'un d'autre? Moi, je pense que... la plupart des artistes, ils sont passionnés. Après, il n'y a pas que la passion, il faut aussi le talent. Même le talent dans le nul. Hein. Non, parce que... Non, il faut... c'est difficile le aussi. Magnifique, ce concept, concept-là est incroyable. Il faut que tu nous... faut développer, là. Faut développer. Bah oui. Le talent dans le nul. Parce que... sinon, tout le monde le ferait. Ok. Non, mais ça tient. Il faut... En fait, il faut avoir un talent. C'est comme, je ne sais pas, par exemple, tout le monde... Les gens, ils vont dire, ouais, les personnes de tes réalités, ils sont bêtes, mais il y a beaucoup de gens bêtes dans la vie qui n'ont pas percé. Ouais, mais c'est vrai. Non, mais ils ont valorisé le talent de la bêtise. Je rejoins. Promouvoir sa bêtise. Mais le problème est peut-être plus du côté de celui qui juge, finalement. Oui, mais après... celui qui a dit que ouais, il est bête, est-ce qu'il ferait pas mieux de faire quelque chose? Mais il y a un public, tu vois. Mais c'est comme ceux qui vont dire, ouais, tel artiste est nul. Ouais, mais qu'est-ce qu'il sait faire, lui? C'est comme, tu veux les citer quelqu'un, par exemple? Non. Ah, mais si tu fais rien, pourquoi critiquer ceux qui font quelque chose? C'est un sport national, ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la France, parce que c'est plus simple de critiquer que de faire. Là où je la rejoins, c'est qu'au final, ça compte pas. Au final, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que quelqu'un va faire. Voilà. Et ce qui a été fait, c'est factuel. Ça qui compte. C'est ça qui compte. Que ce soit bien ou pas, ou que ce soit dit, ah lui c'est nul, etc. Ouais, mais il l'a fait. C'est ça qui va compter à la finale. Après, les passionnés, pour moi, c'est ceux qui vont faire des 20 ans, 30 ans de carrière. Et les autres, ça va être très éphémère. C'est des coups de buzz. Du coup, ça marche plus, ils s'en vont. Ça marche plus. Il y a plein d'artistes, je sais pas, dans ma jeunesse que j'ai vu. Maintenant, je sais pas ce qu'ils sont devenus, je sais pas pourquoi. Mm-hmm. C'est triste, mais bon.
Et après, genre. Tu as des noms? Non. Moi, je peux donner des noms. Donne des noms. Des artistes qu'on aurait voulu qu'ils restent peut-être plus longtemps. On parle pas des personnes décédées. C'était la petite touche de vénère. Non, mais typiquement, bon, c'est pas du rap, mais genre j'aurais voulu ça. J'aurais peut-être voulu que des gens comme Leslie ou quoi continuent peut-être de chanter ou d'offrir quelque chose. Mais ça, c'est toi personnellement, mais est-ce que les autres auraient voulu. Non, mais voilà, genre. Par exemple, est-ce que toi t'aurais voulu. Non, mais après, après il y a un public pour tout le monde, tu vois. Bah, bien sûr. Donc, voilà. Mais t'avais quel âge à l'époque? Après, il y a un peu de chance aujourd'hui. Voilà, donc tu étais dans la cible. Il y a un peu de chance parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont talentueux, qui ne vont jamais percer. Et qui sont passionnés. Hein. Ils sont passionnés. Il y a des gens, ils vont pas arrêter parce que tout le monde dit ouais, il faut travailler. Il y a des gens, ils travaillent depuis 10 ans. Ils ont passé. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, c'est réel. Il y a des formules toutes faites qui ne marchent pas. Sur Insta, tu vois, ouais, il faut travailler, c'est ta passion, vas-y, machin. Et il y a des gens, ils font des trucs de ouf, ils percent pas. Donc après, un peu de chance. Un peu de travail, un peu de passion. Et puis aussi. Ah, j'ai oublié. Non, mais je suis entièrement d'accord. Le gars qui vient. Enfin, la personne qui vient dire qu'il y a une recette pour percer ou pour exploser ou pour vendre plein de disques, elle ment. Par contre, il y a une notion, t'as dit, de travail. Tu peux pas perdurer si tu travailles pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Tous les gens qui ont perduré, ils savent pas forcément pourquoi ils sont arrivés là, mais en tout cas, s'ils ont 10, 15, 20 ans, 40 ans de carrière, c'est parce qu'ils vont au travail, c'est tout. Ils vont travailler. Et le travail, ça permet aussi d'infléchir des fois ta chance. Ça, on n'y pense pas assez, mais ça te permet de, des fois, bah ouais, de provoquer de ce petit coup de truc en plus, l'occasion, c'est ça. Parce que oui, il n'y a pas de recette pour percer, mais en vrai, les artistes, ok, t'as le talent et tout, mais les occasions, tu te les crées. Alors des fois, t'as une bonne étoile et tu vas rencontrer le The Beatmaker qui va faire que ton son, il va arriver à mettre ton rap en musique valeur, et ça y est, c'est parti. Des fois, ça va mettre un peu plus de temps. Enfin, voilà, mais je pense que on oublie tout ce qu'on dit aujourd'hui, on est fatigué. Non, mais attends, après, je te laisse. Juste par rapport à ce que tu dis, il faut quand même rappeler que là on, en filigrane, le mot que tu dis, c'est l'industrie, il y a l'industrie de la musique, mais c'est quand même un débat, une discussion qu'on a là, qui représente à l'échelle de l'être humain, 100 ans, l'industrie du disque. La musique, elle existe depuis que l'homme existe. Et on parle d'un truc qui existe depuis 100 ans. C'est ça. C'est-à-dire que ça fait juste 100 ans qu'il y a un gars qui a vu un musicien, il s'est dit tiens, je vais faire de l'oseille sur lui. Avant ça n'existe pas, c'est-à-dire que t'as un artiste qui vient, qui joue de la musique, ce qu'on appelle un troubadour, un griot en Afrique, c'est le griot. Oui, après quand même très rapidement, c'est pas vrai, mais par exemple dans la musique classique, on faisait se produire Mozart virtuose 5 ans, nanani. C'est un peu, ça commence aussi, mais il n'y avait pas les moyens qu'on a maintenant. C'est l'apparition du phonogramme. À partir du moment où la musique est reproduite, d'abord avec le vinyle et puis ensuite avec le CD, etc., ça permet à tout un panel de gens qui sont autour de se dire comment on va pouvoir faire de l'oseille. Et finalement, c'est pour ça que la plupart du temps, tu regardes, je me suis fait banane par ma maison de disque, mon producteur, mon manager, etc. Mais bon, à la base, c'est juste quelqu'un qui fait de la musique. Donc, en fait, il faut quand on parle de musique, il faut toujours se rappeler qu'il y a l'artiste, le live, le musicien et l'industrie du disque. Et l'industrie en général, ils sont plus là pour vendre des pots de yaourt qu'autre chose. Que t'aider dans ta vraie démarche artistique. Exactement, parce que c'est un business. Parce que c'est un business. Ouais, c'est ça que je disais tout à l'heure. Ouais, et c'est exactement comme dans les business, dans l'entrepreneuriat, t'as l'industrie et t'as les artisans, ils ont une démarche totalement différente. Parce que l'artisan, il a un appareil de production minime. Tu peux pas demander à un boulanger de faire 1 million de baguettes. C'est pas possible. Il va se lever et tous les matins il va faire 100 baguettes et c'est tout ce qu'il peut faire, il peut pas faire plus. L'industriel, il va réfléchir autrement, il va délocaliser, il va faire des petits chinois de 2 ans faire des baguettes, il va les congeler, il va les envoyer, etc. Donc c'est deux... C'était pour grossir le trait. C'est deux mentales complètement différents. Et ça, l'industrie du disque, c'est ça. Okay, ce truc-là, c'est industrie, c'est industriel. Ouais. C'est de masse. Et quand tu fais un produit pour de la masse, tu réduis les coûts, donc forcément tu réduis la qualité. C'est de l'usine. Et ben on en arrive, logique. Et ben on en arrive là. On en arrive là, exactement. Voilà, ouais. Tu réduis les coûts. Belle passe. Belle transition, mon avis. Et c'est pour ça qu'il faut avoir sa petite entreprise indépendante. Moi, je crois qu'il y a une race de faux artistes, braqueurs. Race. Menteurs, voleurs. En voie de multiplication, qui sévit depuis le début de cette culture et de la musique. Jadis, c'était sur disque. Aujourd'hui, leur terrain de prédilection est TikTok.
Le rap, c'est leur bijouterie, ils sont venus faire un gros braquage, tu vois. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, bah, pas mal d'artistes, bah, étant donné qu'il y a plus d'artistes qu'avant, qu'il y a plus de rappeurs qu'avant, bah, je pense qu'il y a forcément moins de passionnés qu'avant. Et beaucoup de rappeurs qui sont stimulés par le fait de faire de l'argent. Opportuniste. Et ouais, une espèce d'opportunisme. Et, par exemple, moi, je vois plein d'artistes rap aujourd'hui qui n'ont pas l'amour de l'écriture. Moi, je sais qu'il y a une époque où les mecs, quand ils rappaient, mais c'était, je crois même qu'ils préféraient écrire que rapper. Tu vois, on peut toujours avoir un carnet sur soi. Ouais. Tu dors, t'as une inspiration, ouais. Tu viens, t'écris. Moi, je me souviens, je dormais avec des trucs et j'arrivais pas à dormir. J'ai dû bloquer mon cerveau, dire vas-y, arrête. Arrête d'être inspiré, tu vois, parce que c'était trop. Et du coup, je pense qu'il y a cette passion qui a beaucoup moins qu'avant. Et en vérité, l'industrie de la musique, depuis le départ, c'est du business. Et il y a même des hits d'artistes. Nous, on a cru que c'était super spontané. Non, mais il l'a fait, c'est spontané. Non, c'était calculé parce qu'à un moment donné, bah, t'as vu, tu rentres dans un espèce de schéma. Et il y a bon nombre de morceaux qui, en vérité, étaient calibrés, calculés, même avant l'étape de l'écriture. C'est-à-dire, à un moment donné, bah, tu rentres dans une industrie, il faut que tu fasses un single. Je veux dire, par exemple, je repense au morceau de Onyx. Ah oui, Back the Fuck Up, Slam. Ouais. Nous, on a cru que c'était spontané, Slam. Oui, non, mais quand tu regardes l'album d'avant, ils sont un petit mec R&B. Tu vois, l'époque du gangsta rap, et le lendemain, ils arrivent avec les trucs, gangsta, machin. Des Uzi. Ouais, même le rap français, t'as vu, il y a des morceaux, ils sont calibrés en vérité. Tu vois, je sais que Barbeau aime beaucoup le fruit défendu, tu vois, de Mystique. Mais. C'est calibré. Ah, tu vas toucher mon morceau. Vous en êtes là. Tu l'attaques sur ces morceaux. Octogone. Mon amour pour ce morceau. Même si c'est vrai, ne dis rien. Après, il y a aussi des morceaux calibrés qui sont très bien. Ah, qui sont aussi la grande différence qu'il y a entre la variété anglo-saxonne et la variété française. C'est que quand tu écoutes le classique, c'était Loris, c'était la Britney Spears française, machin. Je suis désolé, quand t'écoutes Britney Spears, mais c'est archi bien produit. C'est Pharrell derrière, c'est super. Après, il y a des vrais passionnés derrière. Il y a du mix grave, c'est super bien fait et tout ça. Mais bon, c'est un style varié, c'est pop, etc. Bon, quand t'écoutes salutations à Loris, je n'ai rien à voir avec tout ce qui se dit. Loris, c'est pas une attaque personnelle. Franchement, j'ai rien contre toi. Je suis désolé, c'était mauvais. J'ai rien contre toi. Non, mais c'est pas contre la personne. Non, après, indépendamment. Remets une couche. C'était très bien. Oh, le monde est beau. Exactement. On va dire qu'on n'était pas la cible. C'est ça, voilà. Oui, c'est ça. Clairement, ne nous parlait pas. Moi, je l'étais, mais bon. Après, je crois que vraiment que la nouvelle génération vive la passion autrement. Faudrait les analyser. Moi, je les vois comment ils rappent avec des téléphones aujourd'hui. Tu parles des rappeurs ou... Parce que là, on a parlé des passionnés qui font de la musique, mais on n'a pas parlé des passionnés qui écoutent de la musique. Il parle des rappeurs. Là, je parle des rappeurs qui font la musique. Voilà, je sais pas comment vous voyez comment la passion que peuvent avoir les jeunes rappeurs d'aujourd'hui. Après, il y a quand même un truc qui est important. Tout à l'heure, tu opposais deux époques. Ben, ça y est, par exemple, tu rentres dans le rap aujourd'hui, tu sais que tu peux gagner de l'argent avec. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça change beaucoup de choses. Moi, je parle beaucoup avec des plus jeunes et tout. Quand je leur dis que moi, entre le moment où je commence à rapper et mon premier album, il y a 8 ans. Quoi? Mais qu'est-ce que t'as fait de ça? J'aurais déjà arrêté. Tu vois ce que je veux dire? C'est des mecs, ils rentrent pas par passion là-dedans. Quoi? Il y a des gens qui font de l'argent, hein, qui arrivent à coucher avec des filles super sexy. Il me faut mes meufs, il me faut mon argent. Ok, super. Quoi? Au bout de 2 ans, ça marche pas, je vais faire autre chose. Ouais. Et tu peux te retrouver dans une télé-réalité, comme tu parlais tout à l'heure. Ouais. C'est pareil pour essayer de prendre de l'argent et des filles. C'est le rap, c'est la télé-réalité, en ça peut être autre chose. C'est de l'argent. Voilà. Ouais, la passion de l'argent, ouais, c'est vrai. Alors, c'est une autre passion. Une catégorie de personnes, hein. Je dis pas que c'est tout le monde, mais en tout cas, on sait que par le rap, on peut faire de l'argent, donc ça change un peu la donne. Alors, c'est pas parce que ça marche pas qu'il faut arrêter. Je dis ça à tous les gens qui font du bon son. Même si ça marche pas nécessairement comme vous le voudriez, n'arrêtez pas, il y a des gens qui les vous écoutent. Les passionnés n'arrêteront pas. Ouais, c'est ça. Mais ceux qui sont pas passionnés, ceux qui sont pas venus par passion, ils vont arrêter. Après, parfois, même si t'es passionné, quand mentalement ça te touche, des fois tu te sens. Ouais, mais pas au bout de 2 ans. Non, peut-être. Ah, après, non, franchement, pour le coup, je respecte le rythme. Il y a des gens, ça peut leur arriver plus tôt que d'autres, tu vois. Des passionnés, 2 ans. Ça va vite, 2 ans. Plus.
Ah, oh, je sais pas, tu vois, ça, vite, hein. Ça dépend, non, tu vois, je sais pas. Goûts, moi, moi pour le coup, je dirais pas avec certitude que deux ans, ça va très vite. D'accord. T'as des doutes pendant deux ans, t'arrêtes pas. Hein. Probablement, je sais pas, mais quand t'es dans les deux ans et que ça peut éventuellement, je sais pas, la vie, tu vois, des fois, il y a des imbus, tu vois. Tu dis t'as des problèmes dans la vie, c'est autre chose. Non, mais ça peut jouer aussi sur ton... Si tu peux faire ta musique au bout de deux ans, ça avance pas, t'arrêtes, t'étais pas passionné. De toute façon, après, comme on parle de carrière de rappeur, par exemple, on dit aujourd'hui, oui, il y en a qui rentrent par passion de l'argent ou par passion des meufs ou je ne sais quoi. Ouais. De toute façon, en vrai, si tu regardes aujourd'hui, même les rappeurs qui sont tête d'affiche, ouais, faut au moins... Mais au moins 10 piges pour arriver à ce niveau-là. Ouais. Je suis désolée, quand on voit Nino aujourd'hui, on a tous vu les vidéos dans la voiture quand il est tout neugeux. Hein. Il a commencé donc, et c'est il y a 10 ans. Donc je crois que ça va être la dernière génération comme ça. Ah bon? Tu penses? Bah, je sais pas. Tu vois, par exemple, ce qui arrive derrière, je crois pas. Parce que tu vois, par exemple, un profil pareil, tu vois, genre là, ça se tournait il y a pas longtemps sur les réseaux. Un profil pareil, comme Solalune, tu vois, bon. Tu dis, bon, lui, il a une voix, ok, d'accord, mais là, il y avait une vidéo, il était tout petit, tout minot, il rappe comme ça même. Tu sais, trop mignon, parce qu'au début, tu dis, il rappe même pas dans les temps et tout. Mais en fait, tu sens que. Il a envie de mettre Il a quel âge, lui? Lui, il a dit, il a commencé le rap en CM2. Ouais, mais il a quel âge, lui? Il a 23. Mais c'est pour ça que je parle de la nouvelle. En fait, quand je dis dernière génération, c'est les rappeurs qu'on va avoir. Ça va être parce que, forcément, ils ont commencé il y a 10 ans, ils étaient petits. Les rappeurs là, qui vont arriver jusqu'à peut-être encore un an ou deux, pour moi, ça va être des mecs qui, à un moment donné, regardaient ou ont été fascinés par le truc. Et du coup, ils s'y sont essayés très tôt. Et il y a eu le cheminement parce que là, tu me dis, il y a une vingtaine d'années. 23, il y a 10 ans, c'était pas comme ça, en fait, la musique. C'était pas aussi rapide. Ouais. C'était pas aussi accessible. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un cheminement à voir. Là, ceux qui naissent aujourd'hui, maintenant, là, même les petits d'aujourd'hui qui, dans 10 ans, auront une vingtaine d'années ou 18-19 ans, je pense pas que ça va être la même motivation. Pas de motivation, mais je pense que c'est la temporalité de la réussite, donc savoir dans quoi tu t'engages. Et je pense que quand même, quoi qu'il se passe, on est dans des milieux qui sont, je dirais pas ingrats, mais qui demandent, je pense, pour que ton talent il mûrisse, pour que tu puisses le donner au monde, non, ça je suis d'accord avec ça. Quoi qu'il se passe, c'est très très rare des gens, quoi qu'il fasse, qu'il rappe ou machin, qu'il soit OP à 20 ans. C'est très rare. Oui. Là, le seul qui me vient, je ne sais pas quel âge il avait quand il a explosé, c'était MHD. Pour moi, en fait, dans sa vision du business et tout, la musique qu'il faisait, j'ai regardé, mais il y a quel âge ce gars? C'est pas possible, il est jeune. Tu vois, je veux dire, il y a peu de gens qui sont vraiment opérationnels un peu sur tous les fronts, tu vois, aussi bien dans ta vision du business que dans ce que tu fais, dans ton art et tout. C'est, en général, ça prend un peu de temps parce que... Tu vois, et en plus, il y a une autre chose, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Quand tu disais que le rap, ça ne demande pas spécialement de diplôme ou de technicité, etc. Je suis d'accord avec ça. Il faut juste dire que comme tu ne pouvais pas, c'était très difficile d'arriver dans un studio. Parce que ça demandait d'avoir un producteur, le connaître, faut acheter une bande, faut payer l'ingé son, faut payer sandwich de l'ingé son à midi, et ça, c'est tout un. Et en plus, sur ta bande, c'est une bande 2 pouces, 24 pistes, t'as 24 pistes pour ceux qui font de la musique, 24 pistes, aujourd'hui les pistes c'est infini, et tu peux enregistrer entre 15 et 17 minutes de musique en bonne qualité. Donc tu fais quoi? 3-4 morceaux, et t'as 10 heures, et il faut être opérationnel. Donc. Avant, on plébiscitait le gars de la cour d'école qui arrivait en troisième machin et qui te faisait un rap et tout le monde dit il est chaud, il est chaud. Ouais. Donc ça veut dire que tout d'un coup, tout le monde sait que cette personne-là, elle est faite pour faire de la musique. Ouais. La différence, c'est que quand t'as un ordinateur à la maison, t'as internet ou machin, tu te retrouves avec une ribambelle de gars qui sont là parce qu'effectivement, c'est pas très compliqué techniquement de le faire et des gens qui n'ont pas grand-chose à faire dans la musique. Exactement. Parce qu'ils sont pas musiciens, parce que le rap ça reste une musique. Alors, en tout cas, c'est une technique vocale, mais il faut savoir le faire. Après, je crois qu'il y a une différence d'environnement. Quand on parlait d'avant, avant il y avait un environnement qui était différent de celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a la manière dont on alimentait sa passion. C'est-à-dire que la manière dont la passion était alimentée avant, c'était un peu plus naturel et spontané sans les réseaux sociaux. Tu vois, c'est-à-dire aujourd'hui, l'environnement d'un rappeur, il alimente sa passion par le biais des vues, par le biais de la manière dont ce qui va balancer sur les réseaux va être viral. Donc,
Là, il va se dire, ah ouais, ça commence à prendre, tu vois. Avant, il n'y avait pas moyen de jauger ce qui se passait. C'était juste les gens humainement, tu vois. Ouais, c'était là, c'était tes gars qui te disaient, qui te validaient. Donc tu disais, oh là là, je suis chaud là, tu te boostais là, tu vois. Après, mais tes gars, ils peuvent te bluffer aussi. Oui, ils peuvent te blaguer, tu vois. Mais c'est pas grave, au moins, il aura essayé. Parce que les réseaux, c'est sans pitié. Ils trouvent que ça va pas, tu vois. Ah, y a des gens, ils te blaguent aussi sur les réseaux. Ouais, ils peuvent te blaguer. C'est tes potes. Non, non, non. Parce qu'aujourd'hui, on nous donne l'accès à. Je discutais la dernière fois, je recevais un artiste qui s'appelle Charles X. À la maison, on a enregistré un titre et avant de faire de la musique, on a discuté peut-être 4 heures pour se connaître et voilà, et diguer un peu le terrain avant de se lancer dans le concret. Et il me disait aujourd'hui, on a la possibilité, ça rejoint exactement ce que tu disais, les réseaux sociaux, en fait, ça te donne la possibilité d'analyser toi-même tes propres données et de cibler toi-même ta propre audience et de savoir où est-ce qu'il est important pour toi de mettre tes billes et de où est-ce que tu vas marcher. Lui, il est venu en France, pourquoi ? Parce qu'il savait qu'il faisait des centaines de milliers de streams en France et pas ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un outil. Tu disais aussi tout à l'heure, à l'époque, moi, quand j'avais des idées, arrête, tu es trop créatif et tu mettais ça dans un bouquin. Donc relation papier, crayon, ouais, c'est ça, n'est ouais. pas la même que celle du téléphone. Mmh. Mais c'est une histoire de génération aussi avec la médiatisation. Aujourd'hui, le téléphone, que ce soit pour écrire un texte ou pour regarder la météo ou pour savoir combien ça coûte un rouleau de PQ, je sais pas. On l'a dans la main. Ouais, c'est à portée de main. Voilà, non, mais le téléphone aujourd'hui... C'est un outil, ça, c'est rien. C'est ça, ouais, l'outil change, ça change rien. Ça change rien. Regarde, ce que tu dis est important dans la mesure où aujourd'hui, la passion, elle est régulée par la technologie qu'on a. C'est-à-dire, comment tu veux être avoir la même passion Attends, que les gens d'avant. Attends, tu peux redire ça ? La passion est régulée par la technologie. Je suis pas sûr. Ouais, c'est pas sûr. Je sais pas. Explique-toi. T'arrives... Peut-être que régularisation, c'est pas le bon... Regarde, t'arrives à balancer ton son. Comme t'as dit, tu vois les statistiques. Regarde, ton gars, il est venu en France parce qu'il a vu qu'il streamait le plus en France. Mais nous, il n'y a pas moyen de savoir où tu streams. C'est-à-dire que... Il y a tout un calcul, mais en fait. Est-ce que ce serait pour ça qu'il n'est pas passionné, le gars ? Non, ça veut pas dire ça, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a... Je sais pas comment exprimer. Bah non, mais il y a de l'intérêt, mais au bout d'un moment... Il y a le truc métier qui intervient, ouais. Voilà ce que je veux dire. Regarde, Penda, vas-y, dis ce que j'ai envie de dire, parce que je comprends pas. Penda, c'est la traductrice. Excusez-moi, je mets juste un contexte dans le truc qu'on est en train de soulever. C'est qu'on parle d'un artiste indépendant. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, oui. C'est qu'en fait, fait le job il est tout. Il est une petite, majeure à lui tout seul. Voilà. Il a juste regardé son truc, son business plan. Il s'est dit, ah, je vends là, je vais là. Ouais, regarde, elle va traduire. Vas-y, Penda, vas-y. Penda, elle traduit le boubois. Non, il voulait juste dire que c'était. Maintenant, c'est plus calculé, alors qu'avant, c'était vraiment. Genre, limite, ça t'est tombé du ciel. C'est pas vrai, les églises, c'était les plus gros sites de rencontres, déjà d'avant. Non, mais ça. Il y a un esprit très église là. Tu sais que c'est dimanche, mais dimanche. J'ai pas compris, c'était mythique. Non, mais quand on dit site de rencontres, donc aujourd'hui c'est plus spontané, c'est le parallèle. En fait, non, ça a toujours. Ça, les rencontres organes. Je pense que c'est pas la bonne analogie qu'il faut prendre. Non, mais c'est moins spontané aujourd'hui, on va pas dire. Mais déjà avant, ça l'était pas, il y avait les balles populaires. Les gens, ils allaient pour se pécho. Donc tu sais que quand tu vas, c'est donc la démarche. Mais c'est un exemple. Non, mais c'est pour illustrer. Non, mais c'était pour illustrer parce ce qu'il voulait dire. Si tu veux dire que finalement, en fait, la passion était motivée par la spontanéité et que si t'enlèves la spontanité, t'enlèves la passion. On a fait l'analogie site de rencontre et rencontre spontanée. Et non, en fait, il n'y a pas de temps de. C'est pas si évident que ça. L'outil technologique fait qu'à un moment donné, tu calcules ce que tu veux faire. Il y a une époque où tu calcules. Enfin, il y a des gens qui calculent. On va pas se blaguer. On va pas faire style avant. Les gens calculent. Il faut avoir le talent pour calculer. Ouais, je suis d'accord. Mais regarde. Aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent à balancer des trucs sur les réseaux. Ouais. Ils ont pas de talent. Mais à partir du moment où ça explose, regarde. Tu vois, j'ai dit que TikTok, c'est un braquage. Et les trucs, c'est super nul. Comment ça explose, tu vois. Mais ça y est. Mais après, c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a plein de choses qui explosent et puis le jour au lendemain, on n'entend plus parler. Je suis d'accord avec toi, mais ils ont. C'est pas ça le problème, c'est que même si ton gars il arrive en France parce que ça stream en France, moi le débat il est sur la passion, ça enlève pas. Non, j'ai pas dit que ça enlève la passion. J'ai pas dit. Non, mais parce que je parle pas. Moi je parle pas de son gars spécialement, je parle vraiment de. En général, il y a un manque de spontanéité aujourd'hui. Il y a des mecs qui sont pas passionnés, ils sont sur les réseaux. Bon, regarde. Tu veux dire que tu suis un truc numérique, des chiffres, plutôt que ton propre instinct.
Ouais, mais il n'y a pas un cahier de la passion. C'est-à-dire que, aujourd'hui, parce que toi, moi, vraiment, en plus, tu vois, comme on travaille avec les jeunes, je les analyse depuis au moins 3-4 ans. Parce qu'au début, j'étais un peu dans mon truc de vieux. Et je me disais, ah, vas-y, les jeunes, ils sont relous et tout. Bon, j'avoue, les réseaux sociaux, ça les a bousillés, mais c'est pas grave, on analyse quand même. Et je me dis que même s'ils la vivent différemment de nous, ils ont leur passion. En fait, la passion, ils la vivent à leur manière, avec leurs outils. Tout à l'heure, tu parlais de moyens, d'outils. Bah, ils ont les outils d'aujourd'hui et c'est leur façon à eux de vivre la passion, tu vois. Parce que, tu sais, par exemple, un petit qui est là avec son téléphone dans le RER ou dans la rue, il écoute du rap, bah, pour moi, c'est un passionné. Parce que dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien, il écoute du rap. Tu vois, là où nous, peut-être qu'on avait un poste, on rappait toute la nuit, bah lui, c'est avec son téléphone. Donc pour moi, ouais, on peut pas... En fait, je reviens sur ce que tu disais au départ par rapport à mon intervention du départ, c'est que ouais, les époques, elles sont totalement différentes. La passion, elle se lit de manière différente. Après, maintenant, par rapport au thème, je me dis, est-ce que moi, la question que je me pose, c'est quand tu arrives tout en haut, est-ce que tu es encore régi par la passion? C'est ça, moi, la question que je me pose vraiment. Ou est-ce qu'il n'y a que le business qui prend le dessus? Ça dépendra de l'artiste, moi, je pense. Ouais, ça dépend de la personnalité. Ouais. Mais en tout cas, ça dépasse même ses objectifs à l'artiste. Donc, après... Moi, j'ai vu Akhenaton il n'y a pas longtemps, dans son studio. Il me faisait écouter un nouveau projet qui devait sortir. Oui, celui qui est sorti. Je peux te jurer que le mec était surpassionné par son truc. Ah, c'est sûr. Il continue à sortir des projets. Ouais. Je te fais écouter un couplet, un refrain et je sais... Tout le projet. Et il le rappait en même temps. Ouais, j'ai vu une vidéo où il rappait le truc Capella. Et tu vois, il a une carrière. Ça y est, tu vois. Mais ce mec-là, il a une vision depuis le départ. Il a un truc en tête. Il a un truc en tête. Après, ça prend du temps, c'est des moyens, etc. Mais ça se voit que c'est un visionnaire. Aïcha. Je pense que de manière générale, il y a toujours eu des gens qui étaient plus intéressés que passionnés, même avant, et il y en aura toujours, ouais. Ça va perdurer. Sauf que, on l'a dit tout à l'heure, dans le rap, quand même, il y a une génération de gens, comme tu l'as dit, qui ne savaient pas qu'on pouvait faire l'argent, mais à partir du moment où les gens l'ont su, ça a switché dans la tête de beaucoup d'artistes, Après, tu parles d'argent, mais il y avait aussi un aspect notoriété, même si tu savais, même si tu générais pas d'argent. Non, mais le rap, moi j'ai commencé à rapper, même la notoriété ça n'existait pas. Crois-moi, tu savais pas où t'allais. Mais c'est ce que juste tu dis dans ton bouquin, c'est juste que t'aimais faire ça. Ouais, mais donc là c'était la passion. Oui, mais tu l'as mais dit. Mais après des années plus tard, il y a le rap business. Oui, mais tu l'as dit dans ton livre que dans ta cour de récré ça faisait cool de rapper, tu vois. Non, ça faisait pas cool. Personne rappait. Mais c'est moi qui voulais que ce soit cool. Je voulais sortir un disque en étant au collège. Mais en vérité, qui l'aurait compris? Ça rappait pas à cette époque-là. Ça, c'était nouveau. Il n'y avait pas de... Alors qu'aujourd'hui, il y a. Donc tu peux te dire... Mais regarde, moi, j'essaie de reprendre mes propos vite fait parce qu'on va pas tarder à finir. Je crois même que les gens, à l'époque... De mémoire, on dansait plus facilement. Oui. Parce qu'il y avait eu l'émission. Cool. Mais quand parce qu'il y avait HIP à choper. T'étais un guignol. Exactement, il y avait eu HIP à choper qui était sur la danse. Ouais. Et donc, du coup, le fait de danser, smurfer, les casquettes sur le côté, cool, c'est un truc qu'on voyait, qu'on faisait plus facilement que le mec qui vient à rapper. En plus, rapper en français. C'était agressif. Et t'as vu dans nos quartiers, toi, quand t'étais catalogué rappeur, t'avais quand même une étiquette sur toi. Mais bien sûr, c'est ça, c'était pas cool. Je me rappelle, oui, avant, c'était pas cool. Tu sais, c'était pas forcément. Tu sais, quand t'étais rappeur dans ta ville, t'étais pas forcément. Je sais pas comment. T'étais un peu aguillé. C'est des rappeurs. Ils sont bizarres. C'est sérieux. Ah, même auprès des institutions, genre SACEM ou compagnie. Ah, moi, je te parle de cours de récré. En tout cas, moi, c'était hype. Mais ouais, mais ça, plus jeune. Mais moi, par exemple, j'ai connu une époque où les gens te disaient, une période où ça disait, ouais, moi, j'écoute tout sauf du rap, c'est pas de la musique. Et en plus, imagine, des gens disaient ça au mec quand t'étais une meuf, ils te regardaient comme ça. Ah ouais, t'écoutes Booba, bah ouais, en force. Ils te regardaient comme ça, ils disaient quoi? Mais vraiment, tu vois, genre, c'était ça dépend du milieu et de l'environnement. Non, même à Paris, là, aujourd'hui, ça fait les gens hypés et tout. Non, même... T'as grandi à Paris? Moi, j'ai grandi à Paname, moi, je suis une meuf d'ici.
Donc je te dis, c'était vraiment ectailleux. Après, quand je suis sortie de Paris, je suis allée en dehors de Paris, c'était la même, tu vois. Après, le truc, le fait est, c'est que oui, quand tu grandis certains endroits, 18e, ok, d'accord, on a grandi avec le rap, tout ça. Mais dès que tu sortais de Paris, c'est pas que le 18, hein. Et il fallait se les coltiner, les autres, hein. Quand on allait au lycée, bah, je peux te dire qu'on était pas cool. Oui, c'est clair, ouais, ouais. On était pas cool. Moi, je crois. C'est la vérité. Je crois que. Comment dire ? Forcément, avant, enfin, le rap aujourd'hui, c'est la mode de rapper. Mmh. Moi, j'ai des amis qui ont un truc qui s'appelle Urban Talent dans le 94, Timox et Alexis. Je vois des mecs, ils sont sur les rintés, ils arrivent, il y a un petit, la dernière fois je l'ai vu, il arrive. J'ai dit, tu rappes toi ? Ouais, je vais essayer. il en a rien à foutre de rapper. C'est-à-dire, il va. Ouais, je vais essayer comme ça, tu vois. Mmh. Parce que le rap est devenu accessible, j'imagine, et aussi parce que le rap est. Je suis désolé, mais il est moins technique qu'avant. Enfin, en tout cas, il y avait une technique. Bon, ça, c'est mon avis. Bon, quoi qu'il en soit. Mais il y a des mecs qui faisaient pas un rap compliqué à reproduire, voilà, c'est mais ça. Qui ont eu du succès. Voilà. Donc, en vérité, t'es chez toi, tu te dis, tu rappes. Voilà. Moi, je peux le faire. Donc, en plus, il a la même dégaine que toi. Voilà, exactement. Le mec, c'est un mec déreinté, c'est un mec qui pense qu'au genre. En mode, on peut se faire du genre. La tête d'homme, j'arrive. Je vais essayer de rapper. Et en plus, ils savent qu'il y a des gars, eux, qui ont balancé des sons qui ne sont pas forcément bons sur les réseaux. C'est ça que je dis que c'est régulé, la passion est régulée par la technologie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le mec, il a vu que ça devient viral, même si c'est nul. Moi, j'ai un mec de Grigny là, qui a rappé un truc bizarre là, sur la grande bande, tout ça, c'est nul. Mais ça a pris. Mais il n'a pas continué après, tu vois. Parce qu'il a fait 3 millions de vues. Et il n'a pas continué parce qu'il a vu qu'il n'arrivait pas à faire le deuxième coup. Tu vois, c'est pour ça que je dis que. 3 millions de vues il a fait 3 millions de vues, frère. Mais c'est nul. Tu vois, Aïcha. Le petit qui a dit il va essayer, ça se trouve, il aurait pu développer une passion derrière, en fait. Genre, il n'y a pas qu'une façon d'être passionné ou de le devenir, tu vois. Typiquement, quand on parle de passion, je pense que moi, j'écoutais du rap avant et maintenant, je sais que j'estime être passionné parce que je prends le temps d'aller chercher des choses que j'ai pas connues, tu vois. La passion, c'est pas nécessairement... Elle doit pas forcément être là au début. Enfin, je pense pas que ce soit nécessaire. Enfin, faut pas que... Oui, c'est ça. Nécessaire je ne pense pas pourquoi que... Tout dépend ce que tu veux faire. T'as dit quoi ? Nécessaire pourquoi ? Tout dépend ce que tu veux. Ouais. Le petit, là, il sort du terrain, il veut faire de l'argent. Donc, c'est pas nécessaire, la passion. Ouais, c'est pas nécessaire, mais ça se trouve... Celui qui est passionné, il va avoir une carrière bien plus longue. Bien et peut-être qu'il va encaisser bien plus d'oseille à la fin. Ouais. Peut-être. Que l'autre. Peut-être pas. Ouais, mais peut-être que le petit dealer aura fait son coup que l'autre n'aura jamais. Ah, tu sais pas. Ça, c'est le futur, on sait pas. Parce que là, mais faut voir son nombre d'années. Parce que à nombre... Ok, d'accord, tu vas faire... 1 milliard de streams, vas-y, tu fais Gangnam Style. Mm-hmm. Ah, ça date, ça. Je suis vieille. Quel exemple. Tu dansais sur ça. Tu fais le... Donc là, c'était un gros coup. Ouais. Franchement, c'était même... C'est la première vidéo qui a dépassé le milliard sur YouTube. Ouais, c'est vrai. Donc c'était un vrai... Là, on parle de vrai gros coup. Mais tu prends, je sais pas, un artiste coréen, peut-être, qui finalement... Ok, il va peut-être investir plus, mais finalement, il va arriver à son 1,8 milliard aussi. Tu vois, peut-être plus dans la durée, et il aura encaissé sans doute plus d'oseille, fait plus de concerts. C'est dans le meilleur des cas. Il y a des gens, ils vont rien faire du tout. C'est ça, tu peux pas savoir. Non, mais on parle dans le sens où ça marche, parce que tu vas essayer peut-être aussi de faire ton gros coup, ça va pas marcher. Ce que tu veux, en fait. Mais attends, le topic, c'est pas peut-on concilier passion et industrie du rap ? Non, c'est pas ça. Peut-on encore parler de passion dans le rap, donc dans la musique ? Donc là, on parle même pas vraiment d'industrie et de faire d'études. On parle juste de passion et de... Voilà, mais on a opposé ceux qui rentrent dans la musique par passion et ceux qui rentrent pour faire de l'argent. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que le mec qui rentre pour faire de l'argent, en fait, lui parle même pas de passion, il en a rien à foutre. Mmh. Ouais. Et il va arrêter si ça marche pas. Mmh. C'est tout. Et il peut rentrer pour les deux. Aussi. Qu'il a pris assez d'argent. Ouais. Mais ça... C'est moi, ça. Et voilà, pour finir, parce qu'il faut qu'on termine quand même, il y a plein de mecs qu'on écoute et qu'on dit qu'ils sont forts et ils sortent des halls, ils ont rien à foutre. Ils sont pas passionnés. Hein. Ah, il est trop fort. Il en a rien à foutre du rap, il est pas passionné du tout, mais il est là pour faire son genre, il est là pour faire un braquage. Et j'en connais. Est-ce que pour autant il est mauvais ? Il est en train de régler des comptes personnels. Là, il est très nul, mais tranquille. En tout cas, messieurs, voilà. Le mot de la fin. Au moment, il faut donner des noms. Hein.
Parce que ici, il y en a, ils se mouillent pas trop, ils avancent des choses, mais ils disent jamais de nous. T'inquiète, t'inquiète pas. Mais quoi qu'il en soit, je me souviens d'une époque où j'étais venu chez toi en 98, où t'avais des gros cheveux et que tu faisais des sons. Et Dylan La Peste m'a ramené chez toi et que tu faisais des instruments. Dylan La Peste. Dylan La Peste. Dylan La Peste. Voilà. Original. Tu vois ce que je veux dire, Spliffton à l'époque. Yes, yes. Monsieur, mais il y avait Fabrice Eboué avec vous aussi. Oui, c'était. Mais toi, c'était pas la Vendetta, non, c'est pas toi. Hein. Vendetta, je connais. C'est d'autres gars. Hein. C'est des gars d'Evry. Ok, ok. Donc t'étais venu par rapport à Dylan. Ouais, c'est ça. Exactement. Ah ouais, bon bah c'est des histoires, c'est vrai, c'est des histoires d'anciens combattants, oui. 80 sur le 4 pistes, voilà. On parlait de 24 pistes. Ouais. Ouais. Mais en fait, t'as acheté un petit Porta Studio 4 pistes cassette. Donc sur une cassette, t'as 2 pistes face A, 2 pistes face B, et le 4 pistes cassette te permet de lire toutes les 4 pistes simultanément. Donc tu enregistres la musique en mono, comme ça tu peux avoir 3 autres pistes pour les voix. Et puis voilà, tu fais 3 pistes de voix, et voilà, donc c'est comme ça qu'on maquettait. Mais bon, après, tout le monde était là-dessus. Si t'étais chaud, t'avais 8 pistes. Mais et après, une fois que t'étais bon, que t'avais fait tes preuves, ou que t'avais fait des petits concerts ou des machins, ou t'avais un producteur, là tu rentres en studio sur 24 pistes. Mais d'abord, t'avais la maquette 4 pistes. Et je l'ai chez moi. Hey, c'est toi qui l'as. Bah, t'es vraiment le seul, parce que j'ai tous les masters à la maison. De tout le monde. Incroyable. Ok, en tout cas, merci à vous d'être venus. Yes, merci. Restez cool. Merci à vous. Merci à tous. Donnez-nous votre avis en commentaire. Appuyez sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Parlez de la récré autour de vous. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau débat. Et mettez des volants dans le commentaire pour Driver. Yeah, yeah. Je ne veux pas conduire, laissez-moi. Je ne veux pas conduire.